tous les rassemblements culturels, scientifiques, artistiques. L'obélisque devient un site unique. Alexandrie. Et finalement, je vous dis ça, 60 cm, c'est impressionnant. Donc je vous présente cet obélisque de lumière qui fera 150 mètres de haut, 9 mètres de côté à la base et 6 mètres au sommet, au-dessous du pyramidion. Ceci pour rappeler que c'est quelque chose de très fin, c'est une aiguille de lumière qui pourra se fondre dans l'environnement de la baie d'Alexandrie. Ensuite, dans cet obélisque de lumière, vous avez toute une série d'effets lumineux à base de lumière fluorescente. Et comme ça, à la tombée du jour, à la tombée de la nuit, on va voir apparaître le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc on va restituer dans la nuit de la baie d'Alexandrie des moments de lumière tout à fait exceptionnels. Apprendre aussi les effets dans un obélisque de verre et de lumière, produit de la technologie et des arts du XXe siècle. Événement majeur, l'équipement lumineux et artistique de l'obélisque rayonne sur la ville et sur la Méditerranée. Égyptien, donc c'est déjà énorme, avec la crête, bien sûr, il y a d'autres. C'était extraordinaire d'avoir pu réaliser ce phare du XXe siècle et qui est tout à fait. Ce phare représente la lumière plus que le symbole du phare. C'est la lumière, c'est la paix dans le monde et on doit regarder cette lumière qui symbolise la culture par laquelle nous sommes arrivés, sans l'Égypte et sans les Phéniciens ou sans, bon, après Rome, le Grèce, etc. Mais au départ, nous sommes quand même partis de cette région de terre. Et l'Égypte a construit ses pyramides, l'Égypte a construit toutes ces merveilles du monde. Et cette merveille du monde fait rêver, c'est quand même la septième merveille du monde. Tous les musées, vous voyez au travail, quand on fait des... J'ai beaucoup fait de recherches, comme certains, sur ce phare mythique, définitivement englouti au XIVe siècle, après deux tremblements de terre successifs, et dont on ne sait pas très bien aujourd'hui ce qu'il était. Donc, il ne s'agissait pas d'essayer de reconstruire quelque chose à l'identique de quoi, puisqu'on ignore totalement à quoi il ressemblait exactement, mais à trouver un symbole de notre temps, et voire des temps futurs, donc du XXIe siècle, d'où cette idée, le phare d'Alexandrie du XXIe siècle, qui prend la forme esthétique d'un obélisque.